Et donc, salut à tous, c'est Babacham. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de Five Nights at Freddy's. Bon, alors, nuit 4. Je peux vous le dire tout de suite, c'est à partir de cette nuit que ça se corse. Ce Freddy, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé au dernier épisode, il devient un peu plus brutal, on va dire ça comme ça, un peu plus brutal, voilà, allez c'est parti mes amis. Oula, je l'entends courir moi. C'est bon, elle est que devant la scène. On va préserver du power parce que je vous garantis que c'est à partir de cet épisode que vous aurez droit au premier scooter. À partir de cet épisode. Quoi? Le téléphone. C'est le téléphone que j'ai entendu la musique de Freddy. J'ai eu peur, mais c'est au téléphone qu'on a entendu la musique de Freddy. Alors, essayez de préserver du power parce que ça va vraiment se jouer au pourcentage près. Nous avons Bonnie à notre porte. Est-il déjà parti? Non. Bonnie est à notre porte. Freddy est allumé mais ne bouge pas. Bonnie, tu n'es pas parti. On va préserver un peu de power. Tant qu'il est à ma porte. Oh, oh. It's me. N'a pas bougé, donc ça c'est un bon point, sachez que c'est un bon point, sauf que si Bonnie bouge de ma porte, faudrait que Bonnie puisse bouger de ma porte. S'il te plaît, tu ne peux pas sortir. Ah non, ça vient de la cuisine. Alors mes amis, vous aurez le droit à au premier screamer. Enfin, premier screamer, premier screamer parce que la nuit 1, 2 et 3, je les one-shot. Je vous garantis que je ne vais pas le faire en un coup. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais pas le faire en un coup. Sinon, je suis l'homme le plus chatte du monde. Ok, donc 2h du mat à 60. Et Freddy? Ah, Freddy a bougé quand même. Oui, Freddy. Là, il est pas là. Ah, il est là. C'est bon, j'ai eu peur, Freddy, là. Freddy, là. Freddy, là. On va le conserver. Si, conserver le pouvoir. Donc, je le répète. Et c'est sûrement... peut-être la dernière fois que je rentre. C'est normal si je parle pas. Surtout dans ce let's play, il faut de la concentration pour gagner. Dans le 1 encore ça va. Oula, je sens pas. Où est Freddy? Freddy est toujours là. Bon. Essayez de passer à 3h du mat.
1m48. On est dans les temps. On est dans les temps. Du 4 et 5, les animatroniques ont des petits spasmes. C'est-à-dire ils bougent un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que j'entends? J'aime pas parce que je joue avec un casque. Freddy n'est pas dans le couloir, ça va. Donc Freddy n'est pas dans le couloir. Ah, deux fois le hit-spion, on est parti. C'est rare. Et dans le couloir. C'est là que ça va se jouer. Il faut savoir maîtriser Freddy pour faire ça, pour gagner la du 4 et 5. En fait, il ne faut pas laisser la porte ouverte et regarder à gauche, sinon Freddy il a le temps de rentrer pour vous tuer. Vous laissez la porte ouverte uniquement quand vous regardez à droite ou que vous êtes dans les caméras. Qu'est-ce que je raconte? Il faut que vous laissiez la porte fermée. C'est bon. Là par exemple, je le sens pas. Voilà, il y a Freddy dans le couloir, j'ai bien fait fermer. Et voilà comment j'ai fait pour gagner la nuit. 4 et 5. Non! Oui, bonne idée. J'espère que ça vous embête pas trop que je pars pour les caméras à 100 à l'heure. J'ai peur. Ok, ok, voilà. Trois hits me, c'est impossible. J'ai jamais vu ça. Aïe aïe aïe, on est à 13%. Va-t-on ne plus avoir de power? Non. Je ne veux pas perdre. What? Mes amis, va-t-on survivre? Freddy... Laisse-moi tranquille, Freddy... Non... Quoi? Genre? Ok les amis, nous n'avons plus de power. Et Bonnie dans la salle. Mes amis, voici ce qui arrive quand on n'a plus de power. Freddy vient à la porte de gauche. Oh non. Non. Mais... On avait gagné. On avait gagné. Non, je voulais one shot la nuit 1, 2, 3, 4. Mais j'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts. Non. Bon, je vous l'avais dit que je réussirais pas du premier coup. Allez. Donc voilà, c'est la première fois que je meurs. Mais c'était à rien du tout, vraiment à rien du tout. Si au début de la partie, Bonnie ne serait pas resté à notre porte, on aurait gagné. Je n'ai rien fait de mal.
voulait que je meure. C'était un complot. C'était un complot. Non, j'ai rien fait de mal. Rien du tout. C'est à cause de Bonnie. C'est lui là, il fait chier. Il est resté à ma porte pendant 3 heures. Ah. Bonnie, tu fais chier. Allez, bon bah là ils sont inactifs. Hein. Ça c'est pour bien tout stresser. Bon, le cupcake ici. Et ça, qui ça nous amuse. Quoi? Ils ont pas bougé? Oh, tika. Bouge pas, tu vas encore rester à ma porte pendant 3 heures. Écoutez, on est bien parti. Bien sûr, j'ai parlé trop vite. Oh, sérieusement. Ouais. Bonnie n'est pas déjà mort. Ah. Quoi? Non. Et en plus, elle est bonnie. Ah. C'est sûrement ça qui me dit que j'ai mal fait quelque chose. Ah, cette partie, elle lag un peu, je trouve. Tant que Foxy reste inactif, on est encore jamais tombé sur Foxy. Freddy a bougé aussi. Freddy a bougé. Oui, Freddy. Alors, Chica, salut. Oui, Freddy. Ah, Freddy était là. Et bon, on est sauvé. On est sauvé. Bon, je les trouve calmes. Calme pour le moment. Merde. Donc, vous venez voir l'animation de Foxy. On peut avoir Foxy plusieurs fois dans une partie. Voilà, donc c'était Foxy qui avait le rideau ouvert, je ne l'avais pas vu. On ne voit même pas de double mâchoire sur cette prise. Là, on voit pas de double mâchoire ou de triple. Je n'insinue rien. Et ce que je trouve bizarre, c'est que regardez, sa mâchoire, elle fait pas tout son visage. Alors que dans le 2, elle fait tout son visage. Freddy ne bouge pas. Dans le 2, elle fait tout son visage, la mâchoire. Dans le 3, bah là on peut rien dire parce qu'elle est chelou. On la voit pas assez bien pour pouvoir dire quoi que ce soit. Moi, voilà. Donc elle est
on y a maintenant. Et oh. Voilà, donc il y avait Chica qui cachait Freddy. C'est ce que je voyais. Il faut s'y réallumer, voilà. Ça se trouve, Freddy déjà. Mais ils sont vraiment faciles là. Je les sens venir. Quoi? Ils sont très calmes là. Je les sens très calmes. Aurais-je la meilleure chatte du monde? Je les sens venir là. J'allais dire que le 3h du mat va rester indéfiniment. Mais Freddy, tu viens ou tu viens pas? Vas-y, viens, moi je t'accueille. Je suis un fou. Je vais te sauver. Mais... Freddy n'est même pas venu dans le couloir. Non mais c'est à croire s'il a de l'audience. Mais Camper va... Il reste dans son... Non. Je crois qu'on a vu un... Non, c'était pas un historique. Moi, tout ce que je vois, c'est que Foxy est allumé, que Freddy campe, et que personne ne vient me voir. Personne ne vient me voir. Vous y croyez ça? C'est la meilleure partie de FNAF que je n'ai jamais réalisée. Bon, allez, maintenant, j'ai parlé trop vite. Pour oublier qui reste. Freddy le campeur. Freddy ce campeur. La Freddy qui campe. Voilà. Voilà. J'ai eu peur, j'ai cru que je pouvais plus fermer ou ouvrir la porte. Mais en fait, voilà. Donc. C'est la meilleure partie de FNAF que je n'ai jamais réalisée. Si je la perds. Vous m'insultez dans les commentaires, vous faites ce que vous voulez. Mais si je la perds... Mais... Ah par contre... attendez... Si Bonnie reste à ma porte jusqu'à 6h du mat, ça va pas le faire non plus. Oula... Je sens venir les commentaires de... Freddy. Mais Freddy. Oula. Je sens venir des commentaires parce que je vais plus avoir power à cause de Bonnie. Ah c'est bon. Vite, on ouvre la porte. Oh, il n'y a plus de power. J'ai plus de power. Là, il a faute à qui? Hein, Bonnie? Où es-tu? Hein? Bon. Les amis. Commencez à descendre en bas de la page pour m'écrire vos plus somptueux commentaires avec votre magnifique orthographe. Et voilà. Freddy! Freddy, arrête de camper et viens voir. Oui! Oui! Voilà, donc c'était Babacha, un pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine.